Ondoakalara, bonjour. Vous, tout le monde qui nous écoute sur la bande FM 100.1 FM, Magic FM, Melting Pot 10-12 et la grosse tribune désormais qui est en train de coloniser la capitale. Le débat socio-culturel, 11h, 12h et bonjour à tous les jeunes dynamiques qui se battent et les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes bien entendu. Vous êtes entrepreneur aussi, hein, entrepreneur culturel, créatif. Oui. Et bientôt, vous nous annoncez des dates importantes pour cette lecture spectacle. Alors, elles interviennent après le lancement. Enfin, j'ai envie de dire la présentation de mon ouvrage « Comment je suis venu à bout de cette arnaque » le 15 février à la Case des Arts. Je ne ferai pas des dédicaces avant 7 mois. J'ai une démarche atypique, en fait, c'est un triangle renversé. Ma méthodologie est différente, donc je donnerai des lectures spectacles sur l'année parce que en tant qu'enseignant d'animation culturelle, j'ai le droit et le devoir d'implémenter ce que j'enseigne et surtout ce que je dis. J'ai l'obligation d'être un exemple de mes enseignements. Cependant, la première lecture spectacle, le kick-off dans le lancement, c'est le 30 mars à la résidence du professeur Ebussi Boulaga. Les choses se font de manière naturelle. Souvenez-vous, prophète Moïse, j'avais annoncé la présentation de l'ouvrage le 14 février. Et un autre jeune entrepreneur a désactivé. Je ne connais pas les mobiles. J'ai décidé de ne pas donner beaucoup d'importance à ça parce que c'est un chien écrasé et tout ce qui arrive dans la vie est bien. Donc, la vie est polarisée, plus et moins. Donc, souvent, les actions négatives ou alors mauvaises peuvent nous catapulter si on sait les phagocyter et les transformer en ce sens que la vie énergie. Donc, on a des lieux retenus déjà pendant toute l'année 2019. Aussi, en tant que stratège marketing et manager artistique, parce que je le suis toujours, il faut travailler sur l'auto-management maintenant. Surtout, c'est un atelier que j'ai donné lors du Festival Bikutsi 2017. C'était sur l'auto-promotion d'une jeune carrière artistique pendant 3 jours. Donc, je me retrouve moi-même maintenant en train de m'auto-manager. Je me suis donné 15 dates pour 2019 sous réserve que les autres espaces et les autres promoteurs, que ce soit Douala et autres dans le Cameroun, m'accueillent. Donc, j'ai les espaces retenus. La résidence du professeur Fabien Ebussi Boulaga, c'est un moment dernier pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a la Case des Arts qui m'a déjà accueilli, qui va me donner 5 dates. Il y a Odni Laboratoire de Théâtre. Il y a la Confédération Camerounaise du Travail, une femme aussi à la critique très acerbe, Madame Antoinette Etangono, qui va m'accueillir. En attendant, sous réserve, voilà les espaces que je me suis affrété moi-même. Donc, pendant l'année, j'ai 15 dates et j'invite massivement le public à s'inscrire à ces lectures spectacles parce que elles sont certes entrées libres, mais il faut s'inscrire. Okay. Il y a une invitation sous-jacente. Donc, ils ont le contact au 694 44 93 74. Donc, 694 44 93 74. Ou alors, vous m'écrivez sur ma page Facebook. On doit personnage public pour avoir le feedback. Okay. Vous confirmez votre venue, vous venez assister à la lecture, peut avoir de bonnes grillades aussi, mais après la lecture, parce que parfois l'odeur des grillades peut distraire. Merci Ondoakalara, nous serons là pour vous accompagner. Oui, Magic FM, c'est un plaisir énorme, hein, bien de choses au chef des chaînes, pour ce soutien inconditionnel toujours. 2006, quand même, je suis un enfant de cette maison. Merci d'être avec nous. Merci.